J'ai vu, c'était assez impressionnant. En fait, il y avait des flammes qui faisaient 2-3 mètres de hauteur qui s'échappaient au niveau du premier et deuxième étage et qui n'arrêtaient pas de se propager vers la droite. À un moment, on pensait que le feu était maîtrisé, ça s'est reparti de plus belle au niveau de la toiture. On a été tout de suite casser la porte. Et puis on a tapé aux étages et on n'a pas pu accéder au troisième étage parce qu'il y avait trop de fumée. Donc on est redescendu et en redescendant, on s'est aperçu qu'au balcon, donc au dernier étage, il y avait un monsieur qui était accoudé. Donc on lui a crié d'humidifier des serviettes, de se mettre ça sur lui et puis de descendre. Et donc ils sont descendus par leurs propres moyens. Et puis on s'est aperçu aussi que comme c'est des vieilles bâtisses, on s'est un peu reculé par rapport au gaz. Parce que je pense que c'est une grosse crainte aussi dans ces bâtiments-là.